Dal 10 al 12 dicembre 2018 si è svolto qui ad Abidjan, in Costa d'Avorio, l'ultimo seminario del progetto Solidarité Santé, uno dei più importanti, almeno per le valutazioni, perché coinvolgeva direttamente i presidenti e moderatori delle diverse chiese che posseggono questi ospedali e anche i direttori sanitari. Dunque un momento con i vertici che hanno partecipato, che hanno iniziato o che hanno ereditato questo progetto nel corso dei suoi 3 anni, per capire certo come valutare questo progetto, ma in parte l'abbiamo già detto all'Assemblea Generale della SEVA in Camerun, ma soprattutto per capire come continuare, se è possibile, questa importante rete di ospedali in diversi paesi africani. Tu, le presidenti e le direttori, hanno trovato che il y a eu des acquis, il y a eu des améliorations, d'où leur engagement à continuer ce projet, surtout pérenniser les acquis. Et puis ce qui est intéressant ici, bon, on n'a pas parlé tellement de moyens financiers, mais ils se sont dit, voilà, on a besoin de renforcement de capacités, on a besoin de renforcement de capacités de personnel, des cadres de l'Église, mais c'est surtout cet engagement eux-mêmes à soutenir leur œuvre et à faire la communication autour des problèmes de santé. Ce que nous avons constaté, c'est l'appropriation par les responsables d'église de ce projet. Généralement, c'est confié à des conseils d'administration, si bien qu'il n'y a pas le dialogue. C'est surtout ça aujourd'hui, le dialogue entre responsables d'église et les directeurs des hôpitaux, parce que parfois, on se rejette la balle. Les directeurs des hôpitaux pensent qu'ils ne sont pas soutenus. Les responsables d'église pensent que les gens ne rendent pas compte et je crois que le fait de mettre ensemble directeur et président d'église, ça a été un plus-value pour ce projet et pour ce séminaire. Cela nous a permis donc de nous rencontrer, de renforcer nos liens, de renforcer nos liens également avec la SEVA, de partager les expériences, c'est très, 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 très important. Ça permet de voir qu'est-ce que les autres font. Voyez, et qui vous interpelle. Donc il y a une espèce d'interpénétration, ce partage est motivant et dynamique. Eh bien, cela nous donne de regarder avec sérénité vers l'avenir, à la grâce de notre Dieu. Opened our eyes that we need to be more responsible to our health system. To try and improve the quality of the health care that we are providing in our churches. The support that we get from the project, from the our partners, is very good and it's very helpful. It's helping us to extend a hand of caring and supporting spiritually and physically to the community. Si je dois faire le bilan de l'hôpital au départ du projet et l'hôpital à la fin du projet, c'est deux mondes différents parce que nous avons évolué dans certains aspects qui étaient vitaux pour la survie de l'hôpital. La crédibilité a été restaurée parce que on recevait le patient, on essayait d'assurer une prise en charge que nous ne pouvions pas terminer. Ça se ressentait sur le patient, c'est-à-dire il nous le reprochait continuellement. Et au jour d'aujourd'hui, ils viennent vers nous pour dire enfin, il y a quelque chose de nouveau. Enfin, je n'ai pas besoin d'aller à côté, je viens d'abord vers vous parce que je sais qu'il y aura une suite du début, un suivi du début jusqu'à la fin. Donc je pense que la crédibilité a été, c'est la crédibilité, c'est le point le plus positif pour nous. Ce projet Solidarité Santé, n'est-ce pas, soutenu par la VALDC à travers le 8 communes, a été capital pour la SEVA. Parce que ça a permis, n'est-ce pas, une fois de plus, de rendre plus visible et lisible, n'est-ce pas, les préoccupations de la communauté, et à savoir, n'est-ce pas, le rapprochement entre l'Église et les structures. Dunque nei prossimi mesi la SEVA e la Chiesa Valdese, che ha sostenuto direttamente questo importante progetto, dovranno mettere insieme le valutazioni dell'Assemblea Generale di ottobre, le raccomandazioni, le criticità, ma anche l'impegno e la volontà a continuare il progetto Solidarité Santé da parte di queste strutture e di queste chiese impegnate.